j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. C'est maintenant sur Skill PVP. Et oui, les amis, pour une nouvelle mise à jour. Je suis très excité pour cette mise à jour parce que, comme vous le savez, chaque début de nouvelle saison, il y a une petite mise à jour pour update le classement, ce genre de trucs, etc. Mais cette mise à jour, elle est un peu particulière. On va en parler juste à la fin de la vidéo et j'ai encore besoin que vous restiez jusqu'à la fin parce que c'est une grosse annonce et j'aimerais avoir vos avis dessus. Donc, on va commencer directement par les corrections de bugs. Donc, cette semaine, les amis, pour cette mise à jour, ils ont corrigé un bug où ce que l'on pouvait accepter nous-mêmes notre pierre-feuille-ciseau. Donc, pierre-feuille-ciseau contre soi-même, je veux dire. Ok, d'accord. Donc ça, c'était quand j'ai une correction d'un bug où ce que l'on l'ouvrait un coffre double et cela l'ouvrait un coffre simple. Voilà, ça c'est fait, c'est corrigé. Ensuite, il y a eu une correction des bugs avec les waypoints. Donc, des fois, les waypoints ils restaient même après que l'event soit terminé. Ça, c'est corrigé. Ils ont modifié l'interface, comme j'ai dit, de la saison. Donc maintenant, vous allez pouvoir voir saison 3. Récompense 50, 35, 15 PB encore. Malheureusement, personnellement, je trouve qu'il aurait dû mettre 75, 50 et 30. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Parce que c'est de plus en plus difficile. Parce qu'il y a moins en moins de factions qui jouent le classement. On peut voir que la Overturn, god damn it, ils sont en forme quoi. Ils sont en forme avec déjà 10 000 points. Je sais pas comment ils ont fait. Attends, on va regarder, récupérer les points du cœur en 1000. Utiliser le marchand, 2400 points au marchand. Tabarnak, tu t'es fiché 800. Ouais, mais en même temps, ok. Si, attends, je crois qu'ils doivent dominer l'arène en fait. Parce que s'ils dominent l'arène, tu peux dupliquer tes points. Ça, c'est une bonne technique pour vous. Si vous dupliquez, vous pouvez dupliquer vos points si vous prenez la possession de l'arène. Donc, je vais aller voir, mais je crois qu'ils ont l'arène. Non, c'est la Indochina maintenant, mais ils ont dû avoir la possession de l'arène durant le week-end, c'est sûr, à 100%, pour qu'il y ait une avance comme ça de 10 000 points. Donc, ici, vous avez aussi la Indochina et la Mystique qui sont les trois dans la course pour la première place. Il n'y a pas de faction qu'on connaît. Il n'y a pas, ouais, les factions de la mini portugais qu'on a connu un peu vite fait dans la dernière version, on les a pillés. Stardick, même chose. Haribo, vite fait, c'est qui, c'est Funkozy. Ouais, ils ont juste claim, quoi, récupérer les points du cœur, etc. Donc ouais, il y a des bonnes factions, ça va être un bon challenge pour cette saison. Je vous invite à rejoindre le serveur si c'est pas déjà fait, commencer la saison en feu. Il y a déjà 10 000 points, mais c'est très simple à perdre 10 000 points. Vous savez très bien que leur pillage de cœur, et boum, ils perdent tous leurs points. Donc, voilà. Ils devraient faire aussi une mise à jour dans les prochains jours concernant les cœurs de faction. Donc si vous avez une faction avec des points et que votre faction n'a pas plus de cœur posé ou ce que vous faites piller, vous allez perdre des points jusqu'à temps que vous allez remettre un cœur. Donc normalement ça devrait sortir dans les prochains jours slash semaines. Mais c'est pour éviter que les gens retirent leur cœur et qu'ils gagnent la version automatiquement. Donc c'est pour ça que par exemple qu'est-ce qu'on a fait la version dernière. Donc ensuite, une grosse mise à jour aussi c'est... sur les récolteurs. Donc maintenant les récolteurs, quand vous les cassez, vous récupérez les upgrades. On n'est pas obligé de repayer 2 000 à 3 000 $ à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant. Donc en parlant des collecteurs, on a aussi les bidons d'essence maintenant qui se stackent par 16 tant ils sont vides. Donc ça prend moins de place dans votre inventaire, dans vos coffres, dans votre base, etc. Et la plus grosse nouveauté de cette semaine, les amis, l'alambic en urite qui coûte 8 blocs de... d'urite et un urite en... Et un alambic normal au milieu, quoi. Voilà, ça fait ça. Et ça vous permet de crafter vos potions à une vitesse extraterrestre, trop rapide. Donc, je vais essayer d'aller à mon cœur, vite fait. On va poser l'alambic et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va mettre notre alambic ici. On va mettre notre source d'eau là, juste pour prendre quelques petites potions. Voilà. On va reprendre notre eau. Voilà, après on va faire ça. Et là, regardez comment ça va vite. Wouhoum! Donc dans les machines à potions, ça peut être vraiment cool si vous en avez. Donc on va se faire des heals un peu. Et on va prendre une poudre comme ça. Voilà, et une dernière comme ça. Et ça m'a repris... Ok. Ça m'a... Il y a un petit bug, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça m'a repris quelques secondes pour faire 6 potions. Donc plutôt intéressant comme alambic. Je le trouve plutôt intéressant comme nouveauté, comme vous savez, j'en avais un sur mon serveur et c'est vraiment très utile pour les joueurs qui craftent leurs potions automatiquement à la main, qui n'ont pas nécessairement de machine à potions ou qui ne savent pas en créer. Sur ce, les amis, c'est la fin de cette nouvelle update sur Skill PVP, une petite update cette semaine, mais
La plus grosse nouveauté, c'est qu'ils ont marqué à la fin du patch note comme quoi qu'il allait avoir une annonce V8.3. Donc je vous quote ce que l'administrateur a marqué sur le site. Sortie de la V8.3 dans quelques jours avec beaucoup de nouveautés, tenez-vous informés. Je veux savoir dans les commentaires, amis, qu'est-ce que vous pensez que cette V8.3 est. Personnellement, je vous donne mon avis. J'ai pas eu d'informations dessus ou quoi par les administrateurs. Je suis très surpris de cette annonce. J'aurais aimé ça qu'ils me tiennent informé. Je me sens un peu exclu cette fois-ci. Mais moi, je vous donne mon avis. Je pense que ça sera pas un reset. Ça va être juste une énorme mise à jour avec énormément de nouveautés. Et ils pouvaient pas tout mettre ça dans une. Juste. Dans le fond, dans une. Dans une patch note ou quoi. Et tu sais, ils pouvaient pas juste faire un 8.2.6. C'est pour ça que c'est tellement gros, je pense qu'ils vont faire juste une 8.3 et puis ils vont se rendre 8.4, 8.5, 8.6 et puis au bout d'un moment, dans quelques mois encore, peut-être l'année prochaine, même en 2019, nous allons voir la V9 de Skill Pépin, une version que j'attends énormément les amis parce que je veux avoir un nouveau départ sur Skill Pépin le plus tôt possible. Donc moi je pense que c'est ça. Vous, est-ce que vous pensez que ça va être un reset? Est-ce que dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires les amis et puis j'aimerais ça voir votre avis. Je vais bien sûr lire toutes vos théories et peut-être pourquoi pas essayer de faire une vidéo théorique, qu'est-ce qui va se dérouler, etc. dans les prochains jours, dépendamment de ce que vous me dites dans les commentaires. Sur ce les amis, je vous aime du plus profond de mon cœur. Bonne chance pour la saison 3 sur Skill Pépin. Je vous aime et puis je vous souhaite bon jeu. C'était Iconz et à la prochaine.